Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la dixième partie de ce walkthrough sur Wolfenstein The New Order. William. T'aurais un moment? Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Relax, que je veux. Avec toi. Comme ça. À jamais. On y arrivera, William. Promis juré. Finissez vos petites affaires, on va partir. Mais pas tout de suite. Écoute ma voix, Blazkowicz. Là où tu es, dans les tunnels d'égout, l'appareil intestinal de la ville, et plus profond encore, les catacombes de Berlin. Un vaste complexe, le site le plus sécurisé de Berlin, le stock central de munitions du régime nazi. On pourrait faire tant de choses avec ces armes, émeutes, révoltes. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux, impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. C'est un glisseur sous-marin, les nazis s'en servent pour la maintenance. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche. En premier lieu, on va aller par là. La première étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Sept. Utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu l'as laissé. C'est ta seule source d'oxygène. Et la vague rouge arrivait. J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. Tu es juste sous la prison d'Eisenwald. Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ne sont pas allés très loin. À 13 ans, je suis tombé dans la mare, près des étables. Je suis rentré couvert de sang su. Saloperie de sang su mécanique. William, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à l'asile. Elle est morte depuis. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. La section dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Ici, essayer de mettre les deux roues de manière à ce qu'on puisse passer, parce que la deuxième roue, en fait, on ne peut pas y aller directement, mais quand on aura fait augmenter le niveau de l'eau, on peut y aller et récupérer les objets en or qui se trouvent derrière. Mais je ne vais pas y aller parce que je les ai déjà récupérés, donc ils n'y sont plus. J'ai nagé dans pas mal de cours d'eau dans ma vie. Aucun aussi froid que celui-là. Autrefois, ce bassin servait à réguler les débordements. Tu vas devoir trouver le moyen d'atteindre la plateforme de l'autre côté.
Bien joué, William. Dans la dernière section, il va falloir nager. Les catacombes ne sont pas loin. À 11 ans, j'ai traversé le lac Forni à la nage pour gagner à Paris. Mais il faisait moins sombre. Si je ne me trompe pas, ici, c'était une amélioration d'armure. À 19 ans, j'ai plongé dans le puits pour sauver la montre de mon père. Mais c'était bien moins profond. Et ici, ça devait être un objet en or. Bon travail, Blazkowicz. Tu as réussi à t'introduire dans le dépôt d'armes. C'est la seconde étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Tu trouveras un train de marchandises dans l'un de ses entrepôts de munitions. Il est rempli d'armes à feu, d'obus, de torpilles. Tout un arsenal destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Tu vas voler ce train. Les armes à feu pourront nous servir à renforcer nos combattants, mais notre priorité est de sécuriser les torpilles. Elles te permettront de prendre le contrôle d'un sous-marin nazi. Mais chaque chose en son temps. Vole le train. Trouve le train et conduis-le à la gare souterraine abandonnée au nord d'ici. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus nous dira plus quand tu le rejoindras. Bon ben, autant pour la discrétion. Il y a quelques types buggés derrière le volet. Et je vais prendre ça. Oh non, je vais le recharger. Oh.
larguer ici. Ça, je vais bien en avoir besoin. Il était à terre, lui. Ness n'était pas le dernier, donc on fait super attention et on va ramasser sa mitrailleuse. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, à plus tout le monde, et bon frag !